Bonjour à tous et à toutes, c'est Kidosot 666 pour l'épisode numéro 8 de Dark Souls 2. Donc encore une fois, il s'est passé beaucoup de temps entre les deux épisodes, mais j'ai pas éteint le jeu, donc la statistique de temps est totalement biaisée. Et je vais... Donc là, mes âmes sont dans la salle du boss, et de toute façon, je pense que je vais mourir avant de retourner au boss. Étant donné qu'on va un peu fouiller la zone, j'ai trouvé ça très court. Très court, la première partie de la zone. Alors je me suis dit, peut-être qu'il y a des trucs cachés et que je n'aurais pas vu. Déjà, dans les geôles, il y a peut-être un chemin. Je sais pas. Les murs, hein, parce que je pense pas que tous les murs pétables soient des murs avec le système de Pharos à la con. Je dis pas que le système est à la con, mais c'est chiant parce que c'est utilisé inconsommable en fait. Mais comme je pense pas que ce soit ça pour tous, on va continuer. Parce que là, il y a quand même un truc, je sais pas, je trouve ça bizarre que dès le début, on peut arriver au boss comme ça en 2 secondes. Là, je suis déjà allé récupérer, mais il y a peut-être un endroit où on peut tomber, où j'ai pas fait gaffe. Un mur qu'on peut péter. Bon. Voilà. Et aussi, pour le boss, j'ai pensé que, comme je suis jamais humain, je vois peut-être pas si on peut... Comment j'ai fait pour rater ça? Bon, bah voilà. Oui, comme... Je suis pas humain, ça se trouve, je pourrais invoquer quelqu'un, donc je vais aller voir si je peux aller invoquer quelqu'un ou pas. Ah, mais toi, je ne t'aime pas, tu sais. La clé archaïque qu'on avait récupérée tout à l'heure, enfin tout à l'heure, dans quelques épisodes, enfin il y a quelques épisodes. What? Non! Eh, on n'est pas dans Call of Duty Black Ops, hein? Oui, dans Call of Duty Black Ops, je sais plus du tout. Je crois que c'est dans le premier DLC des zombies où, quand on faisait un plongeon, ça faisait des explosions au sol. Ça drop des âmes, ces trucs? Parce qu'il l'a bouffé! Ça, j'ai commencé à comprendre le truc, hein. Ah, j'en étais sûr! J'en étais sûr! En fait, en même temps que je tapais... que j'ai tapé sur le rouge, je fais... Putain, la première fois, c'était un bonus. Ça serait bizarre que ce soit un bonus à chaque fois, quand même. Je crois que je viens d'entendre mon portable vibrer. Je déteste quand mon portable vibre et que je suis en vidéo. Ah non! Ah, l'armure du chevalier d'élite, j'ai tellement envie de l'avoir. Bon, du moins, j'ai trouvé une nouvelle zone dans laquelle aller, c'est cool. C'est très cool, là-bas, il y a un autre chemin, hein, comme on peut voir, avec un autre boss, je pense. Forteresse oubliée. Hein. Non, on va peut-être éviter de perdre des dégâts de chute. Ah, je suis con parce qu'en faisant ça, j'ai quand même perdu les 10 000 âmes qu'il y avait dans la salle du boss. C'est pas grave. D'accord, en fait, on est aussi débiles l'un que l'autre, hein, mon coco. Hein. Par contre, comme j'ai amélioré mes dégâts depuis la dernière fois... Tu viens, mon gars? Ça fait mal, hein. Sale momie, va. Je suis tellement pressé, d'être à Huntman's Cove... J'aimerais bien savoir en fait où c'est dans le monde. C'est juste ça, c'est con. Ah oui, la merde, il y a nos deux compères qui aiment nous faire des câlins en nous sautant dessus là. Attends, t'as droppé un truc, mon gars? Ah non, c'était ton âme que j'ai bu. Double kill. Et il me donne une effigie humaine, bah putain, sympa le mec. Par contre, là, les ennemis... Cool, c'était juste pour le piège. Et si je saute dedans?
On peut pas. Des arbalétriers. Surprise. Raté. T'as fait un mouvement bizarre, mec. T'as fait genre, je passe par-ci, je passe par-là. Tu sais pas par où je passe, moi je te mets le diable. 4444. Joli. Je m'appelle Emily Johnny. Je m'appelle Emily Johnny. Je voudrais partir avec vous. Ah. En parlant de Pharos. Allez, sur toi, je te fais un fond de sable. Oh, du premier coup, ça picote. Oh putain, il y a plein de coffres ici. Alors, lequel est piégé? Pas lui, déjà. Dague de parade, ça c'est bien. Lame jumelle. Genre, ah, il manque de la dex. Oh, c'est grave bien. Ça, je sais que un, je me ferai un jour. Ah, il faut 26 de dex. CC 26 de dex. Bon, là, j'ai pas du tout le personnage pour ça, mais un jour, je me ferai bien, ouais, une partie en New Game Plus ou avec un personnage assez puissant. Avec ça, bâton en os. Je t'ai trouvé. Herbe de brunante. Go go gadgeto hélicoptère. Je sais pas si c'est sa position, on dirait qu'il fait go go gadgeto en fait. Encens de latte. Crâne élégant. Ah ouais, j'aime bien les crânes élégants. Tiens, en parlant de l'autre boss. Putain, tu dépotes, hein. Comment tu veux survivre à ça? Oh, il y avait un feu à côté. Oh, purée, il y avait un feu juste à côté du boss, mais c'est pas terrible, ça. C'est pas terrible de mourir à cet endroit-là, vraiment. J'ai un point de côté, moi, en parlant de feu à côté. On va y aller en courant. Hein. C'est pas comme s'il y avait des trucs dangereux. Il y a des trucs dangereux? Non, il n'y a pas de trucs dangereux, en plus. Pas de truc dangereux. C'est quand même abusé, quoi. Tout ça parce que j'avais pas vu ce petit mur à péter. N'empêche, des trucs de Pharos, je devrais toujours essayer de me balader avec un sur moi. Parce que des selles comme ça, j'en ai croisé une aussi la dernière fois. Donc je devrais en avoir un sûrement en permanence en fait. Encore faut-il les trouver, me diriez-vous. Je vais voir si j'en ai. Non mais c'est pas là, c'est dans les clés, je suis con. En fait je sais pas si c'est dans les clés ou dans les utilisables. Apparemment c'est dans les clés puisque j'en ai pas nulle part, donc ça devait être dans les clés, ouais. Ça serait plus plausible que ce soit dans les clés, mais bon. Donne-moi ta gemme de vie. Je le savais, je commence à vous connaître.
Ah ah, parfait le timing de l'astuce. Putain, le 1 PV quoi. C'est quand même dingue comment je prends énormément de risques juste pour me dépêcher quoi. C'est aberrant. J'ai mon taux de risque sur cette vie est beaucoup trop élevé. Juste aller voir ce qu'il y a là-haut. Tiens, il y a un autre mur pétable. Je vais pas aller là parce que je sais pas où est-ce que je vais tomber. Mais il y a un autre mur pétable, c'est tout ce que j'ai vu. Ou alors c'est le même mur, mais... Non, il était pas là. Non, il est là le mur. Il y en a un autre. J'aurais pu le rater, dites donc. Par contre, vous direz à notre ami Pharos que c'est très glauque comme façon de faire. Calice d'âme. What? Ardent. C'est ça un calice d'âme. D'accord, on peut reprendre ces... Il y a un truc, je pense. Je pense qu'on peut revenir à zéro, par contre ça redonne pas les âmes qu'on a dépensées. Bien caché, petit brigand. Une gemme de vie. Ah non, c'était sur toi que je l'ai récupéré. Ah, 8 gemmes de vie. C'est pas le même. C'est pas le même délire. Salut. Ah non, je peux pas en fait. Ah, je l'ai dans le cul. J'ai sacrifié toutes mes astuces pour rien. Ça fait mal. C'est quoi? Ah, c'est vous. Non, mais c'est une blague. Vite. La roulade au bon moment qui fait que j'ai eu ma frame d'invincibilité pendant l'explosion. Si c'est pas beau, ça. Si c'est pas beau. Une échelle, il y a une... C'est quoi ça? Ah, c'est pour le faire tous péter. C'est quoi cette horreur?
Bon. Douze mille âmes, non, ça vaut pas le coup. Ah, si c'est un boss facile. J'ai quasiment pas assez de. J'attendrai de débloquer le feu qui est là pour y aller, quoi. Parce que là. Faut juste que je trouve un moyen de supprimer ces statues à la con. Là, on va juste redescendre par d'où on vient. Plus, ça, c'est un truc qui est totalement annexe, puisque c'est la pierre de Pharos qui nous y a emmenés. Ah, s'il n'y avait pas cette statue pour nous gêner. Ah, j'ai bientôt plus de durabilité sur mon épée. C'est bête. D'accord, on arrive là. Bon, on va retourner au feu et on va se faire le vrai boss. Ils font un bruit bizarre, ces chiens. Peut-être que là-haut j'avais le moyen d'aller là, non? Je pense pas. Je pense pas. J'ai pas vu, hein. J'ai pas vu de chemin qui mène aussi. Qui mène là. Ah oui, moi j'étais là. Ah, mais là peut-être que je peux sauter. Ouais, on va tenter. On va peut-être. Non, bah là, de toute façon, ils sont tous morts, donc je suis tranquille, je suis en train de me dire. J'étais là, j'étais me dire, on va peut-être aller au feu, mais si je vais au feu, ils vont réapparaître. Donc on va se la jouer safe. Tonton. Est-ce qu'il a chanté avec ses pieds? En faisant du. En faisant de l'échelle, qui est un nouvel instrument, bien entendu, l'instrument de l'échelle. Ça fait déjà 20 minutes que j'ai commencé? C'était quelle heure quand j'ai commencé? Ah non, on peut pas. Tenter là la chute. Attendez, non, on va réfléchir avant de se suicider. On va réfléchir si à partir de là, est-ce que je peux m'en sortir ou pas. Parce que la chute en soi, elle est pas compliquée. Hein. Un asset de feu, c'est bien? Il y a eu l'aboiement de Drive, enfin de Night Call. Le. Bon, on va avancer plus loin dans le. On va se faire aller le boss cette fois-ci, mais on va regarder s'il n'y a pas une invocation à faire avant. Non merde, je viens de me téléporter à l'endroit où j'étais quoi. Le jeu il s'en fout, laisse faire. Je te jure. L'image elle est trop classe de l'immolation. On dirait V pour Vendetta. Le comics, bien entendu, pas le film. Ceux qui ont lu le comics comprendront. J'ai déjà enregistré 100 gigas de vidéos.
depuis l'épisode 1. Je pense qu'il va falloir que je trouve une solution assez vite. Parce que là encore ça va, c'est de la PS3, donc c'est du 720p. Mais quand ça sera... d'ailleurs, je vais vous dire si c'est du 720p ou pas, ça doit être écrit sur ma boîte. Voilà, du 720p. Mais quand ça sera de la PS4 et du 1080p, ça va vite prendre de la place. Et j'arrive plus à trouver comment faire de la place, quoi. C'est ça le problème. Tiens, il est plus là, lui. Je savais bien que ça allait arriver à un moment ou à un autre, qu'il allait avoir des monstres qui allaient commencer à disparaître. Moi, bien très bien parler français. Oh, bah, il est plus là non plus. Bah, ça va. En fait, c'est juste fait pour pas te casser les couilles. Ils sont trop gentils, quoi. Ah, par contre, fallait pas rêver. Eux, ils allaient encore être là. Ça, c'est sûr. Headshot 153. J'ai raté la tête. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, pas taper. Ouh, j'ai chaud. Mais ça, donnez-moi des gemmes de vie. Donnez-en moi. Ça c'est abusé, c'est parce qu'on peut faire toutes les difficultés sans prendre... On peut faire toutes les difficultés sans prendre le risque de perdre son humanité et la récupérer juste pour le boss. Ce qui est cheaté. C'est bon ? Belle l'air, la pérégrine. Elle répondait au nom de Belle, là. Attends, faut éviter de mourir, quand même. C'est pas parce que... Parfait. Ah ouais, mais Belle l'air, elle est tombée, là. Oh, elle le défonce. Attention, il va remonter. Faudrait peut-être que j'aille l'aider, non? Ah bah. Vas-y. Un chacun. T'es bientôt morte, Bel Air, hein. Me déçois pas. Parce que... Si tu meurs, je vais certainement mourir. Et t'invoquer, ça coûte très cher. Alors, à la rigueur, fais-lui bien mal. Non, Bel Air! What? Ils m'ont fait tous les deux la toupie qui tourne Nicole là. Nicotine, Nicota, lève la queue et puis s'en va. Non mais j'ai mal géré parce que j'ai laissé Bel Air se faire défoncer en fait. Par contre, mon casque recommence à faire ses putains de... Ma copine elle a passé une demi-heure
Elle s'ennuyait, alors elle a passé une demi-heure à tout défaire mon casque, et voilà qui se remet à tout se à refaire des nœuds. Parce que c'est un câble en plastique tout pourri, le câble du casque, et c'est super chiant parce que j'ai le contrôleur du casque qui permet donc de régler les niveaux et tout, le micro, qui est collé à ma joue, et c'est super désagréable. Mais bien entendu, ce n'est pas à cause de cela que je perds. J'ai de la mauvaise foi, mais pas à ce point. Le jour où ces mécréants arrêteront de disparaître, ça serait cool. Arrêtons de réapparaître plutôt. Oh, j'ai cru que j'allais réussir à le passer sans me faire toucher, mais non. Non, je me suis trompé d'objet. Oh là là. Le blaireau, je te jure. Allez, belle l'air. Elle répondait non, belle l'air. Déjà, j'ai un peu de mal avec Maître Gims, hein, vous m'excuserez, c'est pas ma cam. Putain, mais cet accueil, quoi, sérieusement! Vas-y, défonce-le. Non, défonce-le, te fais pas défoncer, surtout pas défoncer. Et chacun le sien. Travaille bien, belle l'air, tout se passera bien. Mais elle se fout de moi, elle se fait défoncer, t'es en face à face. Moi j'y joue à la bourrin juste pour venir t'aider. Laisse-toi, allez, continue à survivre un petit peu. Oh non. Putain, mais non. Mais c'est pas possible. C'est trop chiant ça, le fait que tu puisses te faire défoncer comme ça. L'astuce, ça devrait faire comme ça. Par contre, je suis désolé, mais l'astuce, c'est tellement chiant de reprendre sa vie. C'est tellement dur. Le timing pour reprendre sa vie avec l'astuce est tellement serré et tellement compliqué que je suis désolé, ça devrait faire exactement comme dans le premier Dark Souls. C'est-à-dire que si vous prenez des dégâts qui peuvent vous tuer avec l'astuce, la vie remonte tellement vite que vous êtes sauvé. Et ça devrait être exactement pareil. Parce que là, de toute façon, à mon avis, sans l'invocation, j'y arriverai pas. Donc il faut que j'utilise l'invocation. Et voilà, il me reste plus que 12 essais. Bon, c'est pas rien, 12 essais, mais quand même, j'aimerais garder mes effigies pour des plus longs trucs, quoi. Là, j'ai un peu l'impression de les gaspiller un peu, quoi. Alléluia. Allez, fucking Louia. Ah non, par contre. Ah non, mais en fait, c'était
c'était juste gros bordel quoi. C'était, il y avait, y en a la moitié qui a disparu et l'autre moitié qui est encore là. Donc là maintenant j'ai une armée au cul. Je peux quand même remercier cette explosion, hein, qui, mine de rien, m'a plus ou moins sauvé la vie, en fait. C'est quand même classe d'utiliser une effigie humaine. Par contre, ce coup-ci, on va attendre qu'elle soit bien à côté du brouillard avant d'y aller. Es-tu prête, toi, aux yeux noirs ? Caché sous ta capuche. Hein, la capuche, c'était le quartier dans lequel j'habitais à Grenoble. Le quartier de le quart de la capuche représente. Oh là là, mais fais-moi en plus des belles lances d'âme comme celle-ci. Mais parfait! Alors par contre, Belair, c'est très bien ce que tu fais, mais j'aimerais bien que tu descendes. Juste pour faire diversion en fait. Au pire, vas-y, massacre-les. C'est bon, je fais diversion moi. Massacre-les doutés. Comme Mélanie. Ah, c'est pour ça que je voulais qu'elle les massacre d'en haut. Qu'elle vienne descendre en bas. Toupie. Là, je sens que c'est un combat qui va bien se passer, là. Je suis face à Alessia, donc il y a juste une lettre d'écart avec le nom de ma copine, ce qui me perturbe un peu de taper dessus. Voilà. Mais ça, c'est parce que Belair, c'est quoi ce nom de merde ? Belair, elle l'a géré là. Elle est restée en haut. Elle les a snipés d'en haut. Elle a défoncé Alessia. Mais genre, elle l'a littéralement défoncé. Et là, elle est en train de défendre Richie. Et tout ça, sans prendre le moindre risque. C'est bien, Belair. Bonne gestion. T'as compris que j'étais un gros paladin. Un gros tank. Ce qui est pas du tout le cas. C'est pas grave. T'as compris que je pouvais gérer, quoi. C'est bien, Belair. Belair. Oh yeah, Belair! Oh mon dieu! On fait du sketch ou quoi? 45 000 âmes! Ah oui, ça valait le coup! Ça valait clairement le coup! Eh bien, continuons! Continuons, ça ne m'aura coûté que 3 essais, donc 3 petites. Trucs. Et oui, je me disais bien que s'il y avait. Vas-y, Bella! Non, rien à voir! Il est pas passé le saut. En plus, ce qui est horrible avec la chanson Bella là, de Maître Gims, ça me fait penser à chaque fois. À chaque fois que je dis Bella, je vois Kristen. Merde, comment elle s'appelle celle-ci? Kristen Stewart, non? C'est comme Rod Stewart, mais en fille. Je comprends pourquoi il passe pas le saut. On est d'accord qu'il n'y a pas d'autre chemin d'accès. Attendez, à la prochaine fois, avant de sauter bêtement, je vais regarder un peu le décor, voir comment on pourrait accéder à cet objet. Sans se casser le cul. Apparemment, ce saut-là est irréalisable. Moi, je dis que je peux le faire. Dernier essai. Kowabunga. Voilà. Sauté trop tard. Oh, 3 os du retour, merci. Ça, c'est vrai, un vrai merci sincère, par contre. Je kiffe cet objet. Pour... Pourquoi? Dites-moi juste pourquoi je l'ai senti venir. Oh. Oh. Un doux feu. Un doux feu. Voyager. Ma joue là. Le feu lointain. Ah, je suis bien content de t'avoir trouvé, petit feu.
Ah, finalement, je m'en sors pas mal, parce que là, d'un coup, j'ai récupéré plein d'objets de soins. Bon, j'ai un peu gaspillé des effigies, mais... Que veux-tu? C'est jamais ma pauvre Lucette, hein. Mais bon. Bah, tu le bosses. Bon, un peu cheaté en utilisant un personnage, mais moi, j'ai pas de problème avec ça, donc... Allez, hop, voilà, 20. J'ai arrêté de toucher la force, l'adaptabilité. Ah non, c'est la vigueur maintenant que je bourrine en vigueur. Et je garde 9000 âmes. Je sais pas encore pourquoi, mais on va bien voir. Il manque des grands fragments de titanite. J'ai bien envie d'améliorer un peu cette arme. Non, par contre, je vais quand même aller m'acheter un vrai bouclier parce que là j'en ai marre. J'en veux qu'un, ça me suffira. En plus, il est moins bien, hein. Je l'ai acheté, mais il est moins bien. Il est plus lourd. Bah, il est moins moche quand même, hein. Les parades, j'ai l'impression qu'elles sont mieux aussi. Par contre, j'ai une façon de marcher qui est trop chelou là, avec ce bouclier. Attends, je peux encore prendre un niveau. Encore de l'adaptabilité. Ah non, l'agilité là ne monte plus. Mais ça m'augmente ma poise. Donc ça c'est cool. C'est bizarre comme carquois. Non, il n'y a que moi qui trouve ça bizarre. Là, je commence à avoir pas mal de feu hein, de cette zone. Et vous vous rendez compte de cette zone si vous l'aviez si on, vous l'aviez en partant du deuxième feu que j'ai découvert, le chemin à faire à chaque fois. Là, j'ai la tour de l'archi. C'est quoi? La clé bizarre là. Bien content de l'avoir, ça m'a permis d'ouvrir une porte, je sais plus laquelle. Je crois que c'est celle qui était juste après le mur pété. Bon, fouillons cette nouvelle zone. Genre, tu crois que tu fais peur? Voilà, ça c'est réglé. Putain, c'est où ça?
Il y a un objet là-bas. Oh, il y a plein d'accès là-bas. Allez, go, on y va. J'avais deviné qu'on était là par contre. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit c'est où, mais j'avais pas vu qu'on pouvait aller sur le toit d'en face. Ça, c'est cool. Là, je sais où on est. Voilà, je savais qu'on était là. C'était cool. Ah non, pas ceux qui explosent. Hein. Ah super, on n'est pas obligé de repasser par l'autre zone en fait, on pouvait y aller directement par là. Ça aussi c'est cool. C'est très cool parce que j'avais peur en fait de faire une connerie en sautant... En faisant ce saut là de la mort. C'était sympa comme porte. Ah, un petit fossile là. Mais c'est marrant. Si je reviens à la zone de tout à l'heure, c'est que je dois aller me taper l'autre boss. Non, non, non. Toi, tu vas péter. C'est quand même cool comme pouvoir. Hein. Et là, en fait, on pouvait pas le... Qui a fait ça? Qui a osé, quoi? Bordel quand ils s'y mettent ça tous là. Je te jure. Allez go. Ah oui, j'avais oublié les putains d'archers là-haut. Je suis encore humain, pas d'invocation à faire. On va juste rentrer et mourir. Ah, c'était pas du tout une zone de boss. Surprise ? Le mec, il s'est pris un point de vie pour être tombé. Ça lui a coûté la vie. Il y a une effigie humaine. Pourquoi t'avais pas toute ta vie toi? Je t'ai tapé. Non, j'ai toujours voulu tester ce compte, mais c'est pas passé non plus. Pas rassurant. Ah mais eux ils sont plus costauds en fait, c'est les abalés. Oh non mais double KO. Eh, j'étais en train de dire ça serait marrant quand même de mourir ici, juste à côté du feu quoi. Plus près que ça du feu, c'est pas possible. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Et que moi pour faire ça. 17h50. Je sais pas du tout depuis quand j'ai commencé le tournage. Il devait être 17h05. Petit quart d'heure. Un petit quart d'heure.
Allez, backstab. Ça me fait plaisir. En fait, j'ai l'impression que dans le cas d'un backstab, on est sensible qu'aux flèches. C'est tellement classe. En fait, c'est con à dire, mais quand vous faites un backstab, il y a... Ah, bien caché les petits cadavres. Il y a une notion vraiment d'épéiste dans les mouvements par rapport à avant. Il y a vraiment une notion de maîtrise, quoi. C'est super classe. Donc ça, c'est cool. Par contre, je vois vraiment pas à quoi il sert maintenant le feu qui est tout seul là-haut, là. Je suis en train de me rendre compte que j'ai juste plus de vie. Allez, descendons. Putain, c'est profond. Il y a de l'eau dans le fond. The fuck is that? C'est quoi ça? C'est fort, c'est pas fort, ça a beaucoup de vie, c'est très faible, ça cache bien son jeu. En plus, j'ai ramené l'ascenseur, j'ai pas de zone de combat. D'accord, c'est pas très fort en fait. Oh, ça se backstab! Ah, ça survit un backstab quand même. Hein. Ça va, ça tape pas fort. Putain, mais pourquoi il y a ces trucs qui explosent? Mec, t'es dans de l'eau, t'exploses pas, point barre. Excuse-moi de t'expliquer de la logique. Poussière d'os sublime, c'est pas ce qui me permet d'augmenter ma... Et ouais, je peux améliorer ma fiole. C'est pas un mot rigolo, ça, fiole. Bug de son, ça fait flipper quand il y a des bugs de son, moi je vous le dis. J'ai limite envie de passer humain pour voir s'il n'y a pas... Ah, c'est verrouillé. Ouais, je disais, j'ai envie de passer humain pour voir s'il n'y a pas un truc pour invoquer, mais apparemment non, puisque le feu est encore... le boss est encore assez loin, parce que je pense que c'est un boss au fond de ce couloir. J'ai entendu qu'on riait et qu'on criait au fond du couloir. Là, je pense que c'est le cas de le dire. Ils sont bas, alors, hein. En fait, ces trucs... Non. Pourquoi t'as survécu à un coup d'épée? D'habitude, vous crevez en un coup d'épée. Au moment où je vais dire, ces trucs vont avoir le réflexe de taper dedans avant qu'ils explosent, le mec, il arrive à me tuer, quoi. En plus, là, c'est hyper loin.
Franchement, c'est super loin l'endroit où je dois aller, quoi. Après, franchement, les gros monstres, ils ont pas l'air trop dangereux. Tu passes dans leur dos, tu les bourrines, ils ont beaucoup de vie, mais ils font pas beaucoup de dégâts, donc... Andalousie, le sable chaud, c'est fou, comme... Non, faut juste espérer qu'il n'y en a aucun qui me tombe dessus. Parce qu'ils pourraient, hein, ces salauds, hein, se jeter sur moi dans le but de me faire tomber. C'est vrai que ces trucs, ça a l'air d'être fait pour le combat dans l'eau, quoi. Tu sais, faut pas que tu puisses trop bouger pour qu'ils puissent bien te taper. Ils font des mouvements chelous. Voilà, ça, par exemple. Mais comme ils sont backstabables très, très facilement, ils sont loin d'être un danger. Sauf quand le jeu décide de pas les toucher. Là, je suis dans la merde. Exactement. Je déteste, c'est juste pour ça que je déteste Dark Souls. C'est juste que des fois, un truc qui marche 10 fois d'affilée, il va pas marcher. Ça faisait deux fois que dès que j'en bastais bien, après je pouvais continuer de les taper pendant qu'ils étaient par terre, mais là le jeu a décidé d'en faire autrement. C'est pas grave, hein. De toute façon, c'était prévu que je mourrais. C'était prévu, quoi. J'ai regardé depuis quand j'ai commencé, j'ai déjà oublié. C'est pas grave si je fais pas des épisodes d'une heure. Qu'est-ce qui se passe? S'est passé un truc chelou, c'est pas grave. Tralala, j'ai les boules là, le coup de l'autre qui m'a explosé, je passais très bien, je passais tranquille. Et le truc qui s'est jeté sur moi, il m'a fait peur d'avoir survécu. Ça, c'est parce que j'ai pas l'habitude dans Dark Souls. Quand vous faites une attaque qui touche plusieurs ennemis, elle fait les mêmes dégâts à tous les ennemis. Là, ils ont changé ça. Ils ont raison. Dans la réalité, quand vous donnez un coup d'épée circulaire, si vous tranchez le premier mec en deux, vous n'allez pas avoir la force de trancher le deuxième en deux. Ou alors, vous êtes vraiment un gros bourrin. Ça c'est chiant comme technique, alors tu vas arrêter tout de suite. Hein? Tout de suite j'ai dit. Ah mais on peut faire des roulades! J'ai pas essayé parce que généralement quand t'as de l'eau jusqu'au genou tu peux pas faire de roulade, mais dans ce jeu on peut. C'est vraiment niveau stamina, c'est vraiment très léger à chaque fois, quoi. Par contre, on peut pas courir, voilà, c'est ça. En fait, eux, plus le combat est long, plus ils sont chiants.
Ça, c'est l'attaque qu'il fallait pas faire, mon vieux. C'était un peu Asvidersen à ta colonne vertébrale, garçon. Là, c'est fou maintenant, les gemmes de vie, elles m'ordonnent même pas toute ma vie, quoi, tellement j'ai de vie. C'était bizarre comme phrase. C'était très bizarre. Tiens, coucher. C'est trop bien le nouveau système de saut. Franchement, les nouveaux sauts, ils sont cool. Ils passent bien. Tu sors d'où toi? Tu sors d'où vous l'avez? Yes, une pierre de saut de Pharos. Ah, on va pouvoir regarder où est-ce qu'elle est. Dans quel inventaire elle est. Elle est dans celle-ci. Putain, là, c'est passé tranquille, quoi. Bon, j'ai dû un peu sacrifier des trucs de vie en l'honneur de ma réussite, mais c'est pas grave. Waouh. Juste waouh, quoi. Oh, on aura plus à passer par en bas au prochain tour. On passera... Ah non, d'accord, je pensais que ça s'ouvrait que dans un sens, mais en fait, non, c'est... Waouh, 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 je me chie dessus. Là par contre il y a un boss, il n'y a pas de boss là-dedans. Je vais pas dire que je serais déçu, mais ça me surprendrait au plus haut point. Bon d'accord, toutes les portes sont verrouillées. Bon bah espérons qu'il soit facile, parce que c'est pas tout, mais c'est pas facile d'y accéder quoi. Un petit feu ça aurait été cool. C'est même pas comme si on pouvait tracer avec l'eau. Putain, là, il y a un objet. Une trace noire au sol. Bon, bah allez, qu'il faut y aller. Attendez, je vais me rendre vivant. Je vais voir s'il n'y a pas... un message quelque part. Message in a bottle. Non, il n'y a personne à invoquer quelque part. Je trouve que c'est pas un boss, hein. Et là, comme je pars du principe que c'est un boss, j'ai quand même retourné... Je vais retour fouiller voir s'il n'y a pas personne à invoquer. Je suis comme ça, moi. Moi, j'ai la frousse. Non, de toute façon, là, il n'y aurait pas de message en bas, donc c'est forcément en haut. Je pensais bien que ça allait pas passer le saut, mais bon. Ça coûte rien de tenter. Non pas. Là, il y a un objet, mais j'ai pas la clé. Donc la clé, c'est le boss qui va nous la donner. Et on peut pas invoquer qui que ce soit pour lui péter la gueule. Donc on va compter juste sur ma chance. Hein? J'ai mes 5 fioles d'estus. Mon arme, elle est pas prête de se casser. Cinématique en plus pour l'accueillir. Mais c'est dégueulasse! Wow! Je suis pas fan. Ok, pas beaucoup de vie, mais est-ce qu'il tape fort?
Il tape fort, il tape super fort, vu les dégâts que j'ai pris avec le bouclier. C'est un Artorias-like. Je sais à peu près quand après quelle attaque je peux me permettre d'attaquer sans me poser de questions. Déjà, il y a celle-ci. Qu'est-ce que je disais par rapport au fait qu'il attaquait fort et que je devais me méfier? Alors refais ton attaque où tu sautes, s'il te plaît. Quoi, t'as déjà deviné que c'était ton point faible? Non, tu pouvais pas la devoir deviner aussitôt. Putain, j'étais con. Ta façon de combattre est très particulière pour quelqu'un qui a les deux mains scotchées à son épée. Putain, tes coups d'estoc, ils sont tellement spéciaux. En fait, je pense qu'à ta place, on galérerait tous pour en placer ne serait-ce qu'un. Donc toi, que t'arrives à en mettre, c'est bien. Et là, il me défonce. Enfin, elle me défonce, c'est une femme. J'ai plus de vie! Non, pourquoi j'ai fait ça? Putain, j'ai vraiment bien fait de l'améliorer cette arme, n'empêche. Putain, il est chiant, hein, franchement, avec cette esquive et l'attaque juste derrière. T'arrêtes d'esquiver mes coups. Laisse-moi reprendre mon énergie. Putain, si j'arrive du premier coup, je serais refait parce que j'ai vraiment pas envie de refaire le chemin, ne serait-ce qu'une seule fois. Après, tu m'étonnes que tu puisses invoquer personne pour un boss comme celui-ci. Je pense que personne n'est au courant qu'il existe, donc personne se dirait « Tiens, si je me faisais invoquer pour aider les gens. » Voilà. J'ai un peu abusé sur les gemmes de vie à la fin, mais sécurité, sécurité. Grande dame! J'ai ma première grande dame! C'est ça les grandes âmes? Yeah! Donnez-moi de l'argent! J'ai ma première grande âme. Alors je pense pas que c'est un quart du jeu, je pense que... Mais... Branche ancienne embaumante. Mais il est cassé ce feu. Feu de l'éminence. Bah c'est où? C'est une arme? Non, je sais pas. Ah, à partir de ces feux-là, on retourne forcément à Majula. Majula, ah ah. Majula, ah 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 ah. Putain, c'est bien, c'est une belle fin de vidéo là. C'est ouf, je pensais pas que
que le boss était aussi simple. Bon, après, j'ai un peu cheaté, mais bon, j'ai pas triché en fait. Je l'ai eu avec mes propres balls. Alors. Je sais pas quoi augmenter, quoi, c'est fou. Ouais, j'ai une meilleure phase d'astuce. Et on va poser des objets dans cette boîte, parce que j'en ai marre. J'ai trop d'objets. Non, c'est pas ce genre d'objet-là que je veux poser. Pardon, c'est ceci. Alors. On va laisser celle-ci. L'espadon royal. L'espadon, on va le laisser. Pour quand j'aurai assez de force. C'est ça, c'est la force qu'il faut que j'augmente, je suis bête. Les haches, ça m'intéresse pas. Les lances, ça m'intéresse pas. Les lames jumelles, m'intéressent pas. C'est quoi, ça? Armure de soldat carcasse? Voilà, comme ça c'est mieux, non? Un autre vieux, monte maintenant. Monte raison, ça fait. Non. Force à riposter stock, non. Ça, on peut le garder, ça peut être utile. Je sors, lol. Les flèches, on garde. La titanite, on garde. Et les clés, on peut pas les poser. Alors, on va voir notre ami là-haut. Et après, je n'ai aucune idée d'où aller. C'est parfait. Non, bah c'est. C'est juste pour voir, parce que là j'ai aucune idée d'où aller, donc peut-être que notre ami là-haut va nous guider vers la voie. Ouais, bon bah en fait non, il me dit pas où aller. Bah je sais pas où aller. C'est con. Je sais pas où aller. Je pense que les statues de pierre, elles sont encore là de toute façon. Donc il y a encore le chemin de la maison là-bas qu'on va aller voir, je pense. Et après il y a les endroits dans le puits aussi. Bon, on va aller voir la maison, mais ça sera au prochain épisode. Moi je vous dis donc à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. On a déjà fait une des 4 âmes qu'il nous faut. Donc voilà, bon, je suis pas tellement galéré, bizarrement, contre un boss qui avait l'air plutôt tendax hein, en premier abord, mais je suis content. Bien maîtrisé mes esquives, j'ai un peu abusé du soin, mais faut bien survivre. Voilà, allez, à la prochaine, salut à tous!